Veuillez vous asseoir. Merci. Annoncé avant des idées capillaires, le programme prévoit 1. La célébration du culte interreligieux d'action de grâce en ces lieux. 2. Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. 3. À 15h, ouverture et visite guidée du mémorial au palais de Marne. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, nous invitons les officiants du jour pour la célébration du culte interreligieux. Merci beaucoup pour la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. 16 janvier 2001, 16 janvier 2021, cela fait exactement 20 ans. Il y aura 1. La prière d'ouverture qui sera dite par le Père Claude Mbaye de la décennie Mourad Désiré Kabila. Pourquoi les petits choristes de la décennie? Parce qu'aujourd'hui, ces petits que vous verrez ici viennent de totaliser 20 ans d'âge. 3. Viendra la prière et message de la communauté islamique au Congo. Qui n'est que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur.
mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur du sage est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. La parole du Seigneur. Merci. Nous nous asseoir. Aujourd'hui, 16 janvier 2021, le peuple de la République démocratique du Congo, notre peuple, commémore le 20e anniversaire de l'assassinat ignoble de son troisième président de la République, Mzé Laurent Désiré Kabila, tombé arme à la main en plein exercice de ses fonctions de serviteur du peuple dans son cabinet de travail. Nous nous rappelons tous la passion extraordinaire pour le Congo que ce grand homme avait insufflé à son peuple alors qu'il marchait vaillamment vers la capitale, Kinshasa, parcourant à pied les 2000 km d'est à l'ouest de notre pays en 7 mois et entraînant l'adhésion populaire par son enseignement convaincant. Nous nous rappelons son patriotisme intransigeant, sa simplicité, sa bravoure. Nous nous rappelons les idées forces et l'énergie qu'il transmit à son peuple pour l'amener à se prendre en charge et à ne jamais trahir le Congo. Ce dirigeant d'exception, en effet, n'avait recouru à aucune aide extérieure pour doter son pays d'une nouvelle monnaie plus crédible pour payer son armée. Cette autoprise en charge était effectivement l'appel du peuple
à sa propre maturité pour récolter de droit et ce qu'il aura semé, c'était la conjugaison effective de la démocratie. Aujourd'hui, prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, au début de ce culte, nous t'avons prié d'être avec nous, de cheminer avec nous. Nous te disons merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et maintenant, ô Dieu, nous prions, Seigneur, pour notre grande nation, le Congo, pour ses dirigeants. Nous demandons que l'esprit qui avait habité Moussa Laurent Désiré Kabila puisse aussi habiter à nous aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas regarder nos intérêts, mais que nous regardons ton intérêt, Dieu, de voir que toute la richesse que tu as donnée dans ce pays puisse profiter à tous et à chacun. Nous demandons une grâce particulière, Seigneur, pour nos politiciens. En ce moment où le pays se cherche, nous avons besoin de toi. Que l'esprit de sagesse que tu as donné à Salomon, que tu puisses aussi le donner à notre président de la République pour la lourde responsabilité que tu lui as confiée. Nous demandons une grâce particulière pour cette grande nation, pour que l'année 2021 soit une année de paix, une année de grâce, une année de restauration, une année de récupération, mais aussi, ô Dieu, une année de prospérité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, veuillez vous réasseoir. S'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excellence de la République, avec l'expression de notre hommage le plus déclarant. Excellence, honorable, distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce culte interreligieux organisé par toutes les confessions religieuses réunies en République démocratique. Et maintenant, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président, je vais remettre le micro au protocole d'État pour la suite du programme. Merci beaucoup. Excellent le président de la République, chef de l'État, a déposé votre gerbe de fleurs. Excellent. Thank you.
Thank you.
Thank you.
constance et la détermination pour continuer sa lutte. Que les autres icônes en ce qui concerne l'ANATEC avaient commencé. En l'occurrence, Kimpanvita, Kimbangu, Lumumba, Moussé Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, 20 ans après, l'ANATEC vient ici pour confirmer son serment. Il ne trahira jamais les idées de Moussé. Par ricochet, l'ANATEC gardera le mot d'ordre de ne jamais trahir le Congo. Pour l'ANATEC, nous pensons qu'aujourd'hui, que nous venons d'affirmer notre engagement de parachever tout ce que Moussé rêvait. Il n'y a personne qui pouvait avoir la passion de ce pays comme Moussé. Moussé s'est déterminé de pouvoir donner au peuple congolais non seulement sa liberté, sa dignité, sa fierté d'être congolais et surtout son honneur dans le concert des nations et à travers toute l'Afrique. Donc pour l'ANATEC aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que nous célébrons quelqu'un de grand, d'incomparable, qui a donné toute sa vie pour que ce pays soit ce qui rêvait les aïeux, qui ont bien voulu que ce pays soit leitmotiv pour le développement de tout un peuple africain. Au regard de l'évolution politique actuelle dans le pays, est-ce que on est, les politiques, vous êtes dans la vision de Moussé Laurent Désiré Kabila? Je crois que la vie politique d'abord est un choix. La vie politique, ce sont des options qu'on lève. En ce qui nous concerne, nous avions levé l'option de rester dans la vision. Parce qu'aujourd'hui, tout est clair. Aujourd'hui, nous avons besoin de la sagesse de Moussé. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire ce que Moussé nous avait recommandé. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont pris leur option, leur liberté politique. Mais nous, nous pensons que ce pays ne peut se développer qu'avec des idées prônées par Moussé. Parce que ce sont les mêmes idées prônées par Lumumba. Ce sont les mêmes idées annoncées par Kimbanvita, les mêmes idées qui étaient confirmées par Kimbangu. Donc à ce jour, pour les politiciens qui aiment bien ce pays, ils doivent se transformer en homme d'État. Un homme d'État ne jure que par son engagement, sa constance, sa fidélité. Un homme d'État, il faut qu'après notre passage, qu'on laisse derrière nous les idées comme Moussé. Ne jamais trahir le Congo, c'est aussi l'Union sacrée de la République. Reprends ta question. Ne jamais trahir le Congo, c'est aussi la vision de l'Union sacrée de la République. Je veux vous informer que ne pas trahir le Congo, c'est-à-dire que nous devons travailler dans la vision que veut le peuple. C'est très différent de ce que vous êtes en train de me poser comme question. Parce que la vie politique est une option. La vie politique est un choix. Nous ne pouvons pas discuter sur les choix, mais nous devons discuter sur les grandes valeurs. L'ANADEC prend les grandes valeurs de Moussé. L'ANADEC prend la vision pour que ce pays marche. Les stratégies politiques pour nous, ce sont des événements événementiels. À voir tout le monde ici. Quel est votre sentiment? À voir tout le monde ici. Président, premier ministre, tout le monde ici. Exactement. La République a les institutions. Jusqu'à ce jour, les institutions sont encore en place. C'est pour cette raison que l'institution présidente de la République était là, l'institution gouvernement, parlement, ainsi que les cours et tribunaux. Donc cette présence montre la cohésion que Moussé réclamait toujours. Les institutions doivent travailler en harmonie comme les musiciens nous font les chansons. Chacun joue son rôle, mais nous écoutons la belle mélodie. C'est parce qu'on respecte la voix de tout le monde. Quand on arrive à respecter la voix de tout le monde, la politique, c'est comme l'harmonie musicale. Quand il n'y a pas d'harmonie, il n'y aura pas la bonne musique. Nous, aujourd'hui, nous vous annonçons, c'est notre identité, c'est notre raison de vivre et de faire la politique.